Bonsoir à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, mais avant tout j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va dans l'ensemble. Hein, voilà, je remercie aussi toutes mes nouveaux et mes nouvelles abonnés, ainsi que mes anciennes. Une petite vidéo pour vous présenter une petite réalisation que j'ai faite aujourd'hui, donc cet après-midi. Donc c'est un home déco en fait. C'est un petit cadre comme ceci, donc il vient de chez Action, le cadre. Donc c'est un, oh là, ça fait, voilà. Donc c'est un petit cadre comme ceci, donc il fait 10 par 15, donc il manque plus que la photo. Et comme il y a 2-3 jours en arrière, j'ai été avec mes enfants à la plage et j'ai pris une photo de mes enfants devant le bateau en fait et avec un coucher de soleil. Donc je vais la sortir et la mettre bien sûr à l'emplacement qu'il convient. Donc pour une photo de 10 par 15. Donc ensuite ça a été réalisé dans les tons corail et blanc. Donc il y a toutes les fleurs ici sont de chez Prima Marketing, ainsi que les chibords ici sur les côtés. Donc il y a des chibords ici que j'ai ancrés avec des sprays couleur corail. Ensuite, j'y ai mis plein de petits coquillages ici qui me viennent de chez Action. Donc des grands, des petits. Voilà, ici des très beaux coquillages. Ici, un petit mot pareil au ton rose gold marqué Love. Et en haut ici, ce sont des feuilles que j'ai réalisé avec le dies, voilà, de chez Action. J'ai ancré quelques feuilles avec les encres de Stampin' Up, les Stampin' Pad. Donc c'est généreux pamplemousse, voilà. Donc ici, c'est un petit cadre. Hop, puis c'est énervant, c'est le reflet qui est à l'intérieur. Donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc un petit cadre comme ceci et ici j'ai mis un petit flacon avec des petites perles corail. Voilà, donc j'ai fait ça cet après-midi et ici j'ai mis des pailles que j'ai coupées, s'il vous plaît. Ici j'ai mis des pailles que j'ai coupées à la grandeur du cadre. Donc des fleurs de chez Prima, les coquillages. Les chibords, ici c'est une petite perle, ici comme ceci, que vous trouvez aussi chez Action, voilà, et des petites perles ici brillantes, voilà. Donc j'avais l'intention aussi cet après-midi de faire, avec des coquillages. Donc là j'ai préparé tout pour faire encore un home déco, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc j'ai préparé les fleurs, les découpes, les perles, les pailles. Ici j'avais préparé aussi des pochoirs ici pour mettre les encres à l'intérieur, ensuite couper avec le dies. J'avais préparé aussi une petite pince couleur gold. J'ai préparé mes poudres pour mettre des poudres sur mes fleurs, donc de la poudre blanche nacrée. Qu'est-ce que j'avais encore préparé? Des roses chez Action. Et j'avais trouvé, enfin c'était mon fils, mon petit garçon de 6 ans, qui m'avait offert l'année passée un coquillage. Donc c'était deux coquillages. Donc normalement le coquillage se fermait comme ceci. Mais la colle n'a pas tenu. Donc je vais essayer de recoller avec de la colle chaude comme ceci. Et je ferai une décoration avec à partir de ce coquillage. Voilà, et ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi sur les fleurs de chez Prima, ici, là, j'ai mis du glitter, donc de la marque Studio G, que j'avais trouvé chez Nose. Et j'ai mis les paillettes sur mes petites fleurs. Donc ben voilà, pour une toute petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas, pardon, de liker, de commenter, de partager cette vidéo si le cœur vous en dit, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros gros bisous et prenez soin de vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Allez, bisous bisous.